un peu de temps. Après, il faudra que je fasse une petite pause. Alors. Ah, ensuite, ils ont mis ça. Bah, tiens, on va faire ça. Attends, on va reset quand même. Non, non, non. Mais non. Oui. Oui. Mais, sous ma gueule. Ah, voilà. Oh, la croix, elle explose, la croix. Nommé. Ah oui, c'est en 4 lettres. C'est pas grave. Ah, mais je peux tous les nommer. Je dois tous les nommer. S'en fout. Voilà, c'est ça. Alors, il y a Final Fantasy. Ouais, il y a le premier Final Fantasy. Mais personnellement, je pense qu'il a. Et je sais pas, il est en quelle langue, hein, parce que là, c'est un mode. C'est un mode qui a été traduit par des fans. Hein. Je sais pas, il est en quelle langue sur la NES. Il doit être en anglais, à mon avis. Mais à mon avis, il a quand même extrêmement mal vieilli le premier Final Fantasy. Alors, tout le monde connaît l'histoire de Final Fantasy, c'est leur dernière fantasy. Sinon, la société allait se casser la gueule et ils ont réussi à exploser les ventes avec ce jeu, qui était incroyable pour son époque. Guerrier Lumière, comme dans la prophétie de Luca, Garland a kidnappé la princesse, SVP, sauvez-la. J'ai joué à pas mal de RPG pour l'époque. J'aime beaucoup les RPG tour par tour, mais ce type de RPG en fait où les animations sont trop archaïques, j'ai énormément de mal. J'ai énormément de mal, je trouve que ça a énormément mal vieilli. Énormément mal vieilli. Voilà, ça, cette image a extrêmement mal vieilli. Donc on choisit attaquer. Qui attaquer? Ils sont neufs quoi, direct. Voilà. Voilà, c'est extrêmement vieillot. C'est extrêmement vieillot. Là, faut vraiment être passionné de Final Fantasy pour vouloir se relancer dans l'aventure comme ça. Encore, j'aime bien le tour par tour, tu sais, mais là, c'est vraiment vieillot. Et un truc intéressant, c'est que s'il meurt et que j'ai lancé l'attaque dans le vide, il attaquera dans le vide, ce trou de balle. S'il te plaît, sauve la princesse, t'as vu? Ah, c'est la traduction faite par un fan, donc... Les deux meilleurs effets, c'est le 6 et le 7. Oh, je suis d'accord avec toi, hein. Pour moi c'est pareil, c'est le 6 et le 7. Putain, mais vous savez taper les mecs? Non, alors, ce qui était impressionnant pour l'époque... Donc c'était un putain de jeu d'aventure avec un vrai véritable scénario, des villes, des équipements, des métiers. Il y avait le métier de barde, magicien, guerrier, enfin c'est extrêmement varié dans son attaque. C'est juste l'ergonomie des combats qui est juste pas possible. C'est juste ça. J'ai pas de magie. Et il est très vite difficile. Salut Ahmed. Je vais me faire déboîter dès le premier combat. Parce que normalement on aurait dû marcher dans la ville, parler aux gens, je crois qu'on récupère une épée ou deux, ils nous disent où il faut aller, surtout pas aller dans la forêt, mais faire le tour de la forêt, tout le bazar, les blablabla, et blablabli. C'est plus dur que le Lost Odyssey. Mais voilà, le problème c'est que j'ai beau adorer les RPG au tour par tour. C'est le premier combat. C'est le premier combat. Et je me fais chier. Je me fais déjà chier. C'est trop archaïque en fait. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop archaïque. Donc voilà, je l'ai fait tourner juste pour vous montrer qu'il y avait le FF dans la première mini NES.
Mais chapeau à ceux qui veulent se lancer dedans. Alors, je pense qu'après quelques heures de jeu, une fois qu'on s'est habitué à tout ça, on peut y prendre du plaisir. Mais faut vraiment se lancer dedans. Faut vraiment se lancer dedans. Nanas Mini, une émulation software, oui, mais bon, t'inquiète pas, t'as pas de grosse différence entre une vraie et une émulation. Franchement, t'as pas. T'as quasiment pas de différence. Mais vraiment, quasiment pas de différence. Allez, on va mourir pour voir l'écran titre, on va se mettre dans un meilleur jeu. Pas dans un meilleur jeu, pas que FF soit nul. Hein. Mais disons qu'il faut attendre quand même FF3 ou FF4 pour avoir quelque chose d'intéressant. Ah oui, c'est vrai qu'on peut augmenter la vitesse des combats. Mais peut-être que je me replongerai dedans, parce que ça m'intéresse de voir à peu près ce qui retourne derrière. Je l'ai jamais fait, Parce que je suis rebuté justement par le système de combat. Qui est beaucoup trop long dès le début en fait, alors j'imagine même pas les boss. Mais peut-être un de ces quatre. Allez, on va voir qu'est-ce qu'ils ont mis après. Ah, ils ont mis Galaga.